Donc le problème, c'est quoi? Celui qu'on appelle Dieu. Donc on va dire comme ça, on va dire au départ. Dieu a créé l'homme noir pour que l'homme noir vive sur terre. On n'avait pas pensé à créer d'autres races. Les autres races qui existent actuellement, ce n'était pas dans le plan divin. Les autres races qui existent, c'est un accident. Bon, les accidents même n'existent même pas. C'est à cause de la désobéissance que les autres races existent. Mais tout ça, c'est biblique. Hein. On va vous montrer. Hein. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Donc, quand on crée le premier homme noir sur terre, on le crée en tant qu'héritier de l'univers. C'est pour ça que quand il fait chaud, le soleil, ça va te frapper, ça va te noircir. Le soleil va te noircir. Bon, j'ai donné la révélation hier soir, mais je ne veux pas redonner là. Pendant les canicules en Europe ou en Amérique, quand il fait très très chaud, le blanc, il brûle. Tu vois, il y a les blessures qui sortent. Deux fois, ça frappe, il tombe humain. Est-ce que vous avez entendu que le soleil a tué un homme? Et pourquoi? Parce que l'homme noir et le soleil, c'est la même race. La même race comme nous. Ils ont le même ADN. Ils ont un lien commun que les blancs appellent la mélanine. Donc, quand le soleil te frappe, ta peau absorbe la puissance du soleil et tu noircis. Mais tu ne vas pas tomber et mourir. Déjà, c'est le premier point. Donc, l'homme noir devait vivre seul sur cette terre. Seul, comme un dieu. Donc, comme un être supérieur parmi les animaux. C'est ça la notion de l'être supérieur. C'est ça l'histoire de l'homme noir. Ce qu'on appelle les anges, chez les chrétiens, chez les musulmans, c'est malaïka. Pour d'autres, vont dire les esprits ou ainsi de suite. Tout ce qu'on appelle les êtres supérieurs, non, ce sont des entités. Ils sont issus du grand ordre des choses. Pour les chrétiens, c'est le royaume des cieux. On a créé l'homme noir à partir de l'ADN spirituel de toutes les entités, donc de tous les esprits qui sont dans le grand ordre des choses. Et l'homme noir devient vivre uniquement seul sur la terre. Mais les autres races sont arrivées après. Mais le désordre a commencé encore. Et où est-ce qu'on montre comment les autres races sont arrivées sur terre? C'est dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. C'est pas moi qui le dis, la Bible le confirme. Ça, c'est ce qu'on vous a caché. Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. Il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées. Qui va lire la version Parole de vie? Ou bien Bible en français courant? La deuxième version dit, les habitants du ciel ont remarqué les filles des hommes, dont les anges sont descendus, ils ont couché avec les femmes noires. Et c'est cette union qui a donné naissance aux blancs. D'autres races, les premiers blancs, les bakalans. Eh oui. Qui a la version Bible en français pour moi? Oui. C'est-à-dire, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils en choisirent pour les épouser. Verset 4, ça dit quoi? Ça dit, c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Et il en resta même plus tard. Voilà. Dans notre version, on dit, c'était l'époque où il y avait les Néphilim. Dans l'une, vous tapez le mot Néphilim sur Internet. On va vous expliquer ce qu'est un Néphilim. Un Néphilim, c'est un enfant issu de l'union interdite entre un ange une femme noire sur terre. C'est ça les Néphilim. Donc les blancs, c'est les Néphilim. Et c'est une race qui ne devait pas vivre sur la terre. Qui ne devait même pas exister. Ce sont des conquérants naturels. C'est pour ça qu'ils viennent en Afrique, piller l'Afrique à chaque fois.
Donc, on crée l'homme noir, on lui donne la richesse. L'Afrique n'était pas comme ça avant. Quand on voit l'état de l'Afrique actuellement, regarde comment c'est. L'Afrique, c'était le paradis sur terre. Il n'y avait qu'un seul, il n'y avait qu'une seule race. C'était la race noire, en tant qu'homme, avec toutes sortes d'animaux qu'on avait créés au départ. C'était uniquement l'homme noir qui vivait sur terre. Ça fait plus de 3000 ans, il n'y avait aucun blanc sur terre. Il n'y avait que l'homme noir. Et il vivait dans l'harmonie. Et il parlait une seule langue. Il n'y avait pas les Bamileke, il n'y avait pas les Bassa, il n'y avait pas les Boulou, il n'y avait pas tout ça là. C'était une seule langue et les mêmes mots, le même accent. Genèse chapitre 11, verset 1. Voilà ce qui est dit dans Genèse 11, 1. Remarquez, depuis le début, je n'invente pas, je prends les Bibles qu'eux-mêmes ils ont écrites. Genèse 11, 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre. Même les animaux parlaient la même langue que les hommes. Toute la terre. Et c'était un seul continent. L'Amérique n'existait pas encore à cette époque. Puisqu'il n'y avait pas encore le fragment. Il n'y avait pas encore les tremblements de terre. Le blanc vous explique, mais il ne vous montre pas en profondeur parce qu'il ne connaît pas. Au départ, c'était une seule langue, les mêmes mots. Et les anges déchus, ce qu'on appelle les anges déchus, les mauvais esprits, sont descendus sur terre. Ils ont eu des rapports sexuels avec des femmes noires, non initiées, de la lignée de Pongisset, c'est-à-dire le Caïen, celui qu'on appelle Caïen. Et ça a donné naissance aux blancs. Ça a donné la naissance aux blancs. Voilà l'histoire du début, qu'aucun historien camerounais ou peu importe ne pourra te raconter, ne va vous raconter parce qu'eux-mêmes ils ne savent pas. Mais avant de donner naissance aux blancs, ils ont d'abord, ces esprits ont couché avec des animaux, avec des mammifères, avec plusieurs espèces. C'est ça qui donne naissance à ce qu'on appelle les démons, les génies, les totems, ainsi de suite. Les Mamiwata. Donc, quand on décide une femme noire Mamiwata, c'est une mauvaise reproduction. Il n'y a pas de Mamiwata noire. Ça n'existe pas. Les Mamiwata, c'est des blanches. C'est d'autres races. Ah oui. Donc, quand on vous dit les autres vont au Gondo, là, ils vont aller parler si c'est aux esprits dans l'eau, tout ça, c'est la rigolade. Que tu partes à Bafoussam ou peu importe, on vous dit, tiens, dans cette rivière, dans ce fleuve, il y a des esprits dans l'eau, il y a les Mamiwata, on vous dessine avec les cheveux crépus, et les marrons noirs, ça c'est faux. Les Mamiwata noirs n'existent pas. Parce que ce sont les enfants des anges déchus. Ce sont des démons et des démons. C'est ça les premiers enfants. Et ensuite, quand ils ont couché avec les femmes noires, ça a donné naissance aux blancs. L'homme noir a subi. Et c'est là où on a apporté la notion du déluge. La notion du déluge. Le déluge, c'était quoi? C'était le grand cataclysme pour purifier la terre. C'était ça le déluge. Là, c'était déjà l'histoire de vos ancêtres. On a purifié la terre.